Hey, bonjour. Aïe. Mes chefs. Oui. Nous avons tous de nos casques. Mon mari a les papiers de sa moto à jour. Pourquoi est-ce que vous nous arrêtez? Madame, je vous remercie pour votre sens de citoyenneté. En réalité, je ne vous ai pas arrêté pour une quelconque infraction. J'ai juste vérifié si votre moto a une plaque d'immatriculation. Moi, j'ai lancé la plaque de cette moto. Ça fait déjà plus de 3 ans. Mais ça n'a jamais été disponible. Voilà. Mais justement, c'est pour vous informer que les plaques sont désormais disponibles à l'ANAT et que vous pouvez aller les retirer n'importe quand. Je suis parti là-bas moi-même plusieurs fois sans jamais retirer cette plaque-là. Ah, je suis fatigué. Vous n'êtes pas informé, monsieur? Non, de quoi? Le processus de retrait, c'est très facile désormais. En moins de 10 minutes, tu as déjà ta plaque fixée. La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Tu achètes ta moto, tu accroches le concessionnaire et ta plaque est déjà fixée et tu sors avec ta moto. Et pour les motos achetées avant la réforme? Tout est désormais en ligne. Il y a encore une plateforme sur laquelle tu peux t'inscrire et suivre ton dossier du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que désormais, c'est opération zéro moto sans plaque d'immatriculation en circulation. Hein? Allez, très vite, retirez votre plaque. Sinon, la répression va encore recommencer bientôt. Oh, oh, Ronzi. Hein? Oh, tu n'iras plus au marché. On va à la natte d'abord. Eh, hey, pardon, amène-moi au marché. Non, non, madame, je dis le marché, t'as tout pas la natte. La natte d'abord, madame. Désormais, à l'Agence nationale des transports terrestres, le dépôt du dossier, le retrait et la fixation de vos plaques d'immatriculation sont faciles, sans protocole et rapides. Rendez-vous sur www.moto.anat.bj. Courez rapidement dans les agences de l'ANAT pour retirer vos plaques. Sinon, ils vont les détruire toutes. Plus tard, pour être trop tard. Aho, bien qu'à aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale des transports terrestres.